Bonjour à toi, cher apprenant. J'espère que tu vas bien. Je vais t'expliquer comment utiliser ce magnifique livre. Alors, pour commencer, tu auras besoin du livre, bien entendu. Ensuite, tu auras besoin d'un crayon ou d'un stylo. Mais tu auras aussi besoin de ton téléphone portable ou une tablette. Une fois que tu as toutes ces choses, tu dois télécharger une application pour scanner les QR codes. Donc, c'est très simple. Tu dois aller sur l'Apple Store ou Google Play et tu tapes dans la barre de recherche QR code. Tu verras, il y a beaucoup d'applications qui vont apparaître et tu choisis celle de ton choix. Tu l'installes dans ton téléphone. Une fois qu'elle est installée, tu vas dans ton livre et tu scannes le QR code qui est au début de chaque dossier. Tu verras la liste de dossiers, tu choisis le dossier qui correspond et une fois que tu choisis le dossier, on te demandera de mettre un mot de passe. Tu choisis le mot de passe est sur le dos du livre, juste ici, d'accord? Le mot de passe, il est juste là, ne t'inquiète pas. Il est facile à voir. Donc, tu remplis avec le mot de passe et voilà, tu as accès à tous les audios. Les corrections sont en bas de la page. D'accord? Donc, pour écouter, tu cliques sur les boutons. Tu écoutes deux fois chaque audio. Et une fois que tu as terminé le dossier, tu auras une note sur 25. Cette note sur 25, tu dois la reporter sur un graphique en page 3. Tu verras ton évolution tout au long de l'utilisation du livre. Si un audio ou une vidéo n'apparaît pas, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message et je réglerai le problème dans les 24 voire 48 heures maximum. Et je suis sûr que tu vas énormément t'améliorer en français grâce à ce livre. Voilà, c'était tout. À bientôt!